Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait un collier du Valet Vénard. On va faire un jet Nirperf Exo Dommage Distance pour aller sur un Héliotrope RPVM. Je viens juste de craft l'item. Vous voyez l'historique, j'ai mis une rune pour signer et une rune LPA est sautée. Donc c'est du jet de craft. Je viens juste de le crafter précédemment. Et c'est un jet qui est étonnamment plutôt très bon. On a les 20 d'OR, les 20 Repu qui sont assez remarquables. Il y a juste le 79 AJ qui fait un peu bader. Mais si on passe une Ra-Age, on peut récupérer les 9 d'over avec une passa, donc ça peut être intéressant. Faudrait juste que la Pa-Age elle passe. Alors juste, je vais remettre bien le puits, on a 94 du coup. Allez, 1, 2, c'est correct, moins 9, on va pas ça je pense. Ou alors sinon je peux faire plus simple, comme ça, et comme ça. Voilà, peut-être garder la passa pour un peu plus tard, on va maintenant gérer l'over vita. Je peux faire. Ouais, je peux récupérer le perf vita assez facilement là, selon comment ça se passe. Je peux faire 5 et 13 avec une pod. On va viser ça, je pense. Alors le moins 6 qui fait bader, tant pis. On va devoir s'en contenter. Sinon, c'était le full perf. Ah non, de toute façon, pardon, il y avait la sagesse encore, j'ai rien dit. On va mettre la passa maintenant. Moins 18. La prospection, une fois, deux fois, moins 6. Et il reste tout pile 30, soit 2 tentats dommage distance. C'est absolument magnifique. Ah, est-ce qu'on a le PA, les amis? On n'a pas le PA. 95 depuis. Bon, c'est pas trop mal en vrai. On va go sur la J en premier. Ça va être le plus gros over à passer. Je vais y arriver. Tac. Je vais go double repou, je pense, pour récup. Ensuite. En soi, je peux spam les pavis. Mais non, c'est potentiellement trop gourmand. De toute façon, on n'a pas le full perf et on est pour du PVM, donc on va arrêter de faire le fou. J'étais en train de me dire, à la limite, j'aurais pu commencer par la Vita et récupérer sur de la J. Si ça passait, je pouvais aller à 85 et récupérer sur un Do R. Ça aurait pu être une façon de faire aussi. Bon. C'est pas grave. On récupère, on perd pas de puits, c'est cool. Je vais go do R. Moins 4, moins 9, moins 14. Tac. Allez, là, pas d'eau. Nice, le crit. Oh, c'est pas mal, là. Moins 2. Potentiellement une belle tenta qui arrive. Moins 15, dommage, on perd beaucoup là-dessus. 34 de puits. Je peux tenter une rune sagesse. Et 2 dommages distance. Dommage, le crit aurait mis bien. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis, sur ce moins 1 sagesse avec perf prospection? On n'a pas le PA. 98 depuis. C'est pas mal du tout, la congruence est très bien. On va commencer par l'agilité. Qui passe. Alors, j'ai pas grand-chose pour récup l'over. Je pourrais bourriner les pavis, mais bon, c'est un coup à perdre du puits plus qu'autre chose. Ah, cela dit, j'ai aucune autre façon de les récup. Est-ce que j'y verrai pas la pavie? Non, c'est débile. On va mettre. Alors, je peux pas mettre de prospection ni de sagesse. Et toutes les petites lignes sont déjà maxées. Et écoutez, on va mettre une pas faux. Hein. Tac. Ok, on récupère pas. La vita qui passe également. Allez, il me faudrait un moins 5. Si j'ai le moins 5 ici, on peut aller chercher le full perf. Nice. La pado qui doit passer. Ah, l'échec qui fait très très mal. Le crit qui récupère un peu. On est pas mal, on est pas mal. Et écoutez, ça se passe extrêmement bien. J'ai 38 encore. J'ai deux tentats de dit. Nice. Est-ce qu'on a le PA, les amis? Sur ce full perf avec prospection, dommage distance, sans rune trans, ça me mettrait hyper bien. Yes! Oh, qu'elle est belle! Oh, c'est magnifique! Bah, c'est. J'ai même pas payé la transe, quoi. Oh, ça régale, ça. Alors là, pour le coup, je suis hyper content. J'avais vu des jets parfaits HDV sur lesquels j'aurais pu caler une transe si j'avais voulu, mais il n'y avait pas la prospection au max et je voulais vraiment la prospection au max pour mes stuff PVM. Je suis extrêmement content de cet item magnifique qui, en plus, me servira en PVP. Parce que je prépare un mode R PVP en Yop R, montage, dommage distance, en Stalak, etc.
Et j'avais besoin d'un Valet Vénard dommage distance. Donc ça, c'est l'avantage de soigner les stuff PVM. C'est que les items pourront ponctuellement me servir aussi en PVP et ça me régale. Voilà les amis, je suis extrêmement content de cette session qui se passe pour l'instant extrêmement bien. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.